Bonjour les poissons, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil les poissons. Pour vous aider à faire de ce mois d'avril 2020 le plus beau des mois de l'année les poissons, j'ai décidé de vous faire un petit tirage à l'oracle G. Allez les poissons, pensez à vos questions. Que va-t-il se passer pour les poissons pendant ce mois d'avril 2020, les poissons avril 2020, les poissons avril 2020? Oh là là, je bats les cartes les poissons et on y va. Ouh, les petits poissons! Les petits poissons! Donc rassurez-vous, on parle que vos espoirs vont se réaliser avec votre chérie. On me parle de passion, aventure. Donc ça peut être pour les couples, hein. Ces derniers temps, vous avez un petit doute et des solitudes par rapport à votre relation. Votre chérie ne venait pas assez vous voir, vous voyez pas assez souvent. Admettons que vous n'habitez pas ensemble. Ou si vous avez habité ensemble, il y a pu y avoir des petits peu de distance ces derniers temps. Donc rassurez-vous, parce que ce printemps vous apporte plein de belles choses. Un petit moment de doute et de solitude, mais de façon imprévue, le sexe, passion, aventure va revenir dans votre vie et vos espoirs vont se réaliser. Donc les poissons, vous avez dû se passer un petit cycle un petit peu compliqué ces derniers temps, pas mal d'imprévus, mais là on me parle de synchronicité plutôt favorable, puisque d'un côté on me parle que la sexe, passion, aventure revient dans votre vie pendant ce mois d'avril 2020, mais on parle également d'argent qui revient pendant le printemps. Donc pendant ce mois d'avril 2020, on est dans le printemps, hein, c'est les périodes qui nous intéressent, et de façon imprévue. Donc s'il y a eu des tensions dans votre couple, votre chérie va faire des qui vous ont fait douter, hein. Rassurez-vous, vos espoirs vont se réaliser. Il devait avoir un mauvais alignement planétaire, votre chérie, pour ça qu'il n'était pas bien luné ces derniers temps, ce qui a causé des doutes chez vous, hein. Il était peut-être un peu froid, un peu distant, hein, un peu moins présent, un peu trop occupé à son travail. Donc ça peut créer des doutes dans votre relation. Mais ce mois d'avril vous apporte de belles énergies, car on parle d'espoir qui se réalise, sexe, passion, aventure, il va vous surprendre, votre chérie, et également sur le plan professionnel, de nouvelles opportunités qui vont vous aider à retrouver une certaine harmonie sur le plan financier. Peut-être ça peut être des rentrées d'argent inattendues, la vente d'une maison, un héritage, hein. En tout cas on parle d'une mutation, un changement de travail, un nouveau client, une signature de contrat. En tout cas on me parle d'opportunités de synchronicité favorable pour vous les poissons pendant ce mois d'avril 2020. Tant sur le plan professionnel, de vos activités, hein, que sur le plan sentimental. Donc malgré les doutes et la solitude, parce que ce mois de mars a été un petit peu compliqué pour vous, vous avez douté sur vos projets parce que ça met du temps à se mettre en place, les synchronicités ont mis du temps à arriver. En tout cas, on me dit que pendant le printemps, donc pendant ce mois d'avril 2020, les poissons, vos espoirs vont enfin se réaliser. Allez, on va un peu plus loin les poissons! Enfin, le nouveau départ que vous attendiez va enfin arriver, les poissons. On me parle d'un nouveau départ pour vous pendant ce mois de mars. Vous attendiez ce nouveau départ pendant ce mois de mars, je veux dire, mais il va arriver pendant ce mois d'avril. Ça a mis un peu du temps, pour ça que vous doutez et que vous vous rongiez. Ça peut être un nouveau départ par rapport à votre foyer, par rapport à votre chérie, un déménagement, un changement. En tout cas, on nous parle d'un nouveau équilibre que vous allez pouvoir trouver. Donc, s'il y a eu des tensions dans votre couple, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, votre chérie ne faisait pas d'efforts, il était mal luné. Dans votre couple, ça peut créer des tensions dans votre foyer, des doutes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'on va se quitter? Ou peu importe les doutes que vous avez eus. En tout cas, là, au niveau des couples, on me parle vraiment d'un nouvel équilibre par rapport à votre foyer, d'un nouveau départ et d'une réussite au-delà de vos espérances. Donc en couple, si vous avez traversé une période un peu basse, une période un peu compliquée, pendant le printemps, ça va s'arranger. On me parle que votre chéri va être très 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 présent, hein. Vous allez même faire des jaloux, tellement ça va être bien. On m'annonce une réussite au-delà de vos espérances. Également sur le plan professionnel, si vous étiez dans l'attente de changements sur l'ordre professionnel, on me parle vraiment de ce nouveau départ sur l'ordre professionnel que vous attendiez pour le printemps. Et par rapport à ce nouveau départ, on me parle de beaucoup d'argent. Parce que la corne d'abondance sous le soleil, on a l'argent, d'accord, mais on a la corne d'abondance sous le soleil qui annonce une réussite au-delà de vos espérances. On me parle de soutien. Donc, vous avez trouvé, si vous cherchez un travail, vous avez trouvé un travail. Si vous attendiez un nouveau projet, mais que vous étiez bloqué, vous avez trouvé une personne qui va vous apporter la solution pour vous permettre de prendre ce nouveau départ, même si vous aviez des doutes. Un nouvel équilibre se prépare. Oh, bah c'est un très très beau mois d'avril qui s'avance pour vous les poissons.
alors que la route a été sinueuse, il y aura encore des petites difficultés jusqu'à cet été, hein. C'est pas hop d'un coup, hein. Par exemple, vous commencez ce nouveau boulot-là, qui va vous apporter beaucoup d'argent, tout ça, vous allez vous construire, mais le temps de mettre de l'argent de côté, c'est pour ça qu'il va encore falloir faire attention jusqu'à cet été. Pareil pour votre couple, s'il y a des tensions dans votre couple, il va faire des efforts, ça va vous rassurer, mais vu ce que vous allez traverser, vous allez vous méfier un petit peu sur cet été. Pourtant, jusqu'à cet été, on parle d'une réussite au-delà de vos espérances. Fidélité et sincérité sur les couples. Pour les célibataires également, hein. On me parle de nouvelles rencontres pour les célibataires. Donc si ça, c'est pour les couples, hein. Mais pour les célibataires, on me parle également d'une belle rencontre pendant le printemps qui va vous surprendre, une rencontre imprévue, sex, passion, aventure pour les célibataires, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ sur le plan sentimental, quelque chose de solide, de la construction, même si vous doutiez pouvoir retrouver quelqu'un. Par exemple, vous avez divorcé, vous êtes resté 10 ans ensemble, ne pensez pas pouvoir retomber amoureuse à nouveau, et bien l'univers va vous surprendre et on nous parle d'un nouveau départ pour vous les poissons. Pour les célibataires, cette fois-ci, je parle pendant ce mois de ce printemps, même si c'est une belle relation qui va se mettre en place, vous allez y aller doucement, doucement, la route sinueuse jusqu'à cet été, mais quand même de la construction des évolutions. On parle d'une relation fidèle et sincère, les célibataires. Et ça va continuer ce cycle, donc un cycle très favorable entre le printemps, même si le temps que tout se mette en place, vous allez encore devoir vous battre un petit peu, mais un cycle très favorable entre le printemps et cet été de construction favorable, qui va continuer jusqu'à cet automne, parce que même sur la fin de l'année, avec la rentrée, on nous annonce encore des bonnes nouvelles. Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, ça peut être compliqué, hein. Les couples, il y a eu des tensions, célibataires, il fallait couper avec votre ex et repousser à les baratineurs. Mais là, ce printemps, ce mois d'avril 2020, va vous apporter les opportunités que vous attendez pour prendre le nouveau départ, en couple avec votre chérie, célibataire avec une nouvelle rencontre. Et par rapport à ces opportunités qui vont se mettre en place pour vous les poissons pendant ce mois d'avril 2020, on nous annonce une réussite au-delà de vos espérances. Même si ça va doucement, doucement, ça ne veut pas dire que tout ne va pas être rose, hein, il va falloir faire attention jusqu'à cet été. Mais à partir de cet été, on parle encore d'une réussite au-delà de vos espérances. La construction va s'établir malgré les difficultés. Et après cet été, ça ne va pas s'arrêter parce qu'on me dit que les bonnes nouvelles vont continuer même sur cette fin d'année. Donc profitez. Profitez, les scorpions vont rentrer vraiment dans un cycle très favorable par rapport au printemps, l'été, l'automne, ou même s'il y a encore des petites épreuves, de légères épreuves, comparé à ce que vous avez traversé, ça va être beaucoup plus favorable. Vous allez pouvoir retrouver un nouvel équilibre, que ce soit d'ordre financier ou d'ordre sentimental, que ce soit pour les couples avec votre chérie ou qui va faire beaucoup d'efforts pour vous, ça va même vous surprendre tellement il va faire des efforts, ou sur le plan sentimental pour les célibataires, avec cette nouvelle rencontre qui va vous soutenir, vous apaiser, qui va même faire des jaloux dans vos amis. Une réussite au-delà de vos espérances, les scorpions. Et ça fait plaisir car vous le méritez. Voilà les scorpions, j'espère que... Les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, les poissons. Si vous avez encore des questions par rapport à votre tirage, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires de cette vidéo ou directement sur notre site internet en cliquant sur le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées, les poissons. Un très très bon mois d'avril 2020, les poissons. Et je vous dis à très bientôt.